Bon, est-ce que ça n'est qu'un point, est-ce que ce match te satisfait? Déjà, c'est satisfaisant, plus de but. Je contre le mort. Et le fait de ne pas prendre de but, d'être solide, bah, ça en montant pris à l'extérieur. Vu qu'il n'y a pas de photographe, ça vous gêne si je tiens le micro, ça gêne personne? Non, c'est bon, pas de problème. Il a encore manqué un petit peu sur le plan offensif pour espérer mieux que ce nul. Ouais, c'est sûr que c'est que sur le plan offensif, ouais, c'est que l'équipe qu'on a marqué aujourd'hui, bah, je pense qu'on a gagné le match. Et voilà, c'est pourtant pour nous c'était d'être free, de voilà, on se déplace et pour prendre des points. Et aujourd'hui, bah, je pense que voilà, le point, voilà, les 0-0 est mérité dans ce qu'on a vu. Après, c'est sûr qu'on aurait aimé faire mieux en marquant un but et rentrer avec la victoire. C'est toujours la difficulté de trouver l'équilibre entre bien défendre, avec un bloc parfois un peu bas, et puis les risques pour se projeter vers l'avant, toujours dans cette recherche de l'équilibre. Mais on a vu que match de coupe, on pouvait le faire. Donc c'est quelque chose qu'on peut le faire. Après, je pense, avec plus de confiance, il faut trouver cet équilibre de défendre et d'attaquer, de surtout finir nos occasions. Mais j'espère que voilà, on va trouver cette confiance offensivement. Il n'y en a pas beaucoup d'occasions, hein. Bah, je ne sais pas, on a tiré combien de fois spécialement le but, mais c'est vrai qu'on aurait pu quand même avoir plus d'occasions. Et surtout, bah, ce qu'on demande, bah, surtout le coach, ce qu'on demande, c'est de terminer les occasions, parce que parfois je pense que sur les derniers gestes, il y a beaucoup de déchets. Ouais. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous empêche de franchir un cap pour recoller au top 5 là? Ah oui, on sait qu'on manque de buts. C'est qu'avant le match, le coach nous a un peu piqué par rapport à ça. Donc on travaille à chaque fois notre entraînement pour progresser en tout cas de ce côté-là, parce qu'on voit que défensivement, bah, ça tient. Mais c'est vrai, pour passer ce cap, bah, offensivement, faut quand même. Après, voilà, on va pas mettre ça sur le jeu offensif, mais ça va offensivement, voilà, quand même, pour être pitcher. Tu as eu le sentiment que vous pouviez le gagner à un moment donné, ce match? Parce que pour les stats, du coup, c'est 4 tirs et un seul cadre. En mi-temps, on avait quand même quelques occasions, je vais dire ça comme ça. Situation. Oui, voilà, situation. Mais après, au fur et à mesure du match, on a vu que voilà, le point de vue, il était quand même mérité. Et puis on voulait quand même rester solide défensivement pour pouvoir rentrer avec le point à la maison. Ça fait un petit moment que vous êtes 7, 8, 9e. On a l'impression que c'est un petit peu votre plafond, que vous pouvez pas, que vous n'arrivez jamais à passer ce cap, à aller plus haut. C'est frustrant, j'imagine. C'est sûr. Après, les objectifs, voilà, aujourd'hui, on sait que voilà, c'est maintenir le plus rapidement possible. Après, c'est sûr que on regarde au classement au-dessus, on jette un œil, mais c'est vrai que on va là offensivement. Que ce soit offensivement ou défensivement, voilà, on doit franchir ce cap. Et bah, c'est sûr que voilà, on regarde au niveau du classement, on aimerait bien quand même avancer de ce niveau-là. Vous êtes à votre place finalement, vu vos qualités, vos défauts, non, c'est pas... Bah, après oui, voilà, aujourd'hui on a notre place, c'est sûr. Après, on aimerait bien rêver plus loin. Mmh. Bon, pour ça, il faut gagner à domicile. Tu ressens ces difficultés à domicile, alors qu'on a 8 clous, que c'est une saison particulière, le sentiment qu'à domicile, ça coince toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait des... Je pense que c'est l'impression de tous les joueurs. Aujourd'hui, à l'extérieur, je pense qu'on a des meilleurs stats qu'à domicile. Et aujourd'hui, bah, on voit que pour franchir ce cap, bah, à domicile, voilà, c'est... Faut prendre, voilà, faut montrer que voilà, on est à la maison et bah, franchir ce cadre comme on a dit tout à l'heure, et ça commence à la maison.
Comment tu abordes la série dans laquelle on est actuellement? On vient de l'annoncer avec Grenoble, qui est l'un des prétendants à la montée. Ça va poursuivre, il y aura Sochaux, et ensuite derrière, il y aura surtout Toulouse, Auxerre, Clermont, Troyes. C'est les cadors du championnat, et ça, vous n'avez pas forcément réussi sur la phase aller. Tu as le sentiment que vous êtes davantage armé pour faire mieux, là? On aimerait bien, parce qu'on a vu que sur les matchs contre toutes ces équipes, on n'a pas spécialement pris de points. Là, on a les matchs retour pour se rattraper. Et puis, déjà, ça a commencé dès ce soir. Déjà, comme j'ai dit, le point pris, déjà, ce soir, c'est satisfaisant. Donc on va se projeter sur le prochain match. Et j'espère que contre ces équipes avec qui on n'a pas pris de points en match aller, on va bien quand même faire une bonne prestation contre ces équipes en match retour. Bien dans les moyens. Oui, je pense que on a les joueurs, on a la qualité pour. Donc je pense que on a bien vu match de coupe que il y avait des points positifs, donc contre ces bonnes équipes, on pouvait rivaliser.